Bonjour à toutes et bienvenue pour ce nouveau live, live du 17 juin. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je refais une petite vidéo de démarrage en fait, puisque j'ai eu un petit souci pendant le live. Donc je voulais que vous ayez quelque chose d'à peu près correct pour le replay. Donc je suis Harmonie Marais, démonstratrice en pin-up depuis janvier 2020. Voilà, on se retrouve aujourd'hui donc pour la réalisation d'un mini-album. J'espère qu'il vous plaira. Certaines parmi vous m'ont déjà dit qu'elles le feraient en replay, donc j'en suis ravie. Voilà, je voulais simplement, au cours de cette vidéo, vous rappeler qu'il y a donc des primes créatives en ce moment, mais uniquement jusqu'au 30 juin. 27 euros vous sont offerts à partir de 275 euros d'achat dans tout le catalogue Stampin' Up. Vous pouvez également, si vous trouvez que cette somme est un peu élevée, vous pouvez tout à fait commander à deux avec une amie pour pouvoir partager par exemple les frais de port et cette fameuse prime créative de 27 euros. Et je voulais aussi vous parler donc de la promo actuelle pour celles qui souhaiteraient devenir démonstratrices et éventuellement mes filleules. J'en serais ravie, j'ai déjà des filleules qui me font confiance. Enfin, je crois. Voilà, simplement, soit pour votre propre consommation, ça vous permet de bénéficier de réductions entre 20 et 25% selon le montant de vos achats au bout de quelques temps, et puis de faire partie de la grande famille Stampin' Up. C'est voilà, moi d'avoir signé avec Stampin' Up m'a permis de rencontrer plein de gens extraordinaire, de m'être fait clairement des amis, et puis aussi d'avoir des petits revenus supplémentaires, ce qui n'est pas négligeable, voilà, il faut dire ce qui est. Évidemment, vous avez des obligations, notamment une obligation, c'est-à-dire d'acheter en moyenne pour 375 euros de produits sur un trimestre, donc par trimestre, 375 euros d'achat, dans tout le catalogue, ce que vous voulez, et de bénéficier donc des réductions donc de 20% sur chacun de vos achats. Voilà. Et si vous décidez de devenir démonstratrice maintenant, jusqu'au 30 juin, vous avez la possibilité de choisir un lot, tampon d'ice ou tampon perfo, n'importe quel lot, en fait, vous sera offert dans le catalogue. Vous verrez, il y en a d'extraordinaires. Voilà, ça vous est offert. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à ce sujet, je suis là pour vous y répondre. C'est une sacrée expérience, j'ai sauté le pas, voilà, un nouveau défi que je me suis lancé en début d'année et vraiment je ne regrette pas. Voilà, écoutez, je vous laisse, démarrons le live pour réaliser le mini-album. J'espère que ça vous plaira et surtout, n'oubliez pas de me montrer vos créations. J'adore voir ce que vous faites, des tutos qu'on peut vous donner et publiez-le. Hashtag HarmonieScrap sur votre publication que je puisse les voir. D'accord? Merci beaucoup, à très bientôt. Donc, le mini-album se présente comme ceci. Fermé, on l'ouvre. Donc on a le petit tag ici, on a l'ouverture sur la gauche. L'ouverture en bas. Ici, vous pouvez y glisser des photos, enfin une photo ou des petites. Voilà. Ok. Alors, on est parti. Je vais le garder sous la main pour pouvoir vous remontrer régulièrement pour que vous puissiez suivre. Alors, nous prenons le morceau de papier uni. Le papier uni de 11 par 21 cm. D'accord? 11 par 21 cm que je vous avais demandé dans la liste. Pour celles qui l'ont préparé. Une fois que vous avez ce papier de 11 par 21 cm, nous allons venir faire des plis à gauche et à droite de ce papier. Et tout simplement ces plis, peut-être les avez-vous déjà fait, mais peut-être pas toutes. Donc votre papier est à l'horizontale sur le massicot, d'accord, sur le coupe-papier. Vous faites un premier pli à 1,8 cm, d'accord, donc 1,8 cm, et le second à 2,5 cm. Une fois que ces deux plis sont faits, il vous suffit de retourner votre papier, comme ceci, et de faire exactement la même chose. Un pli
à 1,8 cm. Hop. Et en second à 2,5. Donc sur le papier de 11 par 21, nous faisons deux plis de chaque côté avec le papier à l'horizontale. Premier pli à 1,8 et le second à 2,5. N'oubliez pas de m'arrêter si jamais vous ne comprenez pas ou si je vais trop vite. Ceci sera en fait la toute base. Vous voyez, c'est cette partie-là de l'album. On va venir ensuite préparer les papiers pour accrocher la partie de droite, la partie du bas et la partie de gauche. On continue avec les autres papiers unis. Nous avons le papier de 10,5 par 15,8 cm. 10,5 par 15,8 cm. D'accord ? Ici, nous allons venir mettre le papier donc à la verticale. D'accord ? Et venir marquer un pli à 1 cm, donc sur le bord long. D'accord ? Donc le papier uni mesurant 10,5 par 15,8 cm, nous le plaçons sur le coupe-papier à la verticale et nous venons marquer un pli à 1 cm au bord. Ce morceau-là viendra en fait se positionner, c'est ce rabat-là en fait, c'est le rabat inférieur. Ok ? Donc en voilà deux. Le troisième. Le troisième, il s'agissait d'un autre morceau de papier de 11 par 21 cm également, comme le premier. D'accord ? Le pli sera donc différent, évidemment. Nous avons 11 par 21. Vous venez placer votre papier sur le coupe-papier à l'horizontale et marquer un pli à 12 cm. D'accord ? 12 cm. Donc je répète, papier 11 par 21, positionné à l'horizontale et on vient marquer un pli à 12 cm. D'accord ? Ce morceau-là vient se positionner au niveau de l'album. Hop, je vous montre pour que vous puissiez vous faire une idée par la suite. Voilà. Donc nous avons le premier papier que nous avons coupé ici, d'accord ? Nous avons aussi coupé celui-là, la partie inférieure. Et ce morceau-là va venir en fait se coller, c'est la partie de gauche de l'album, d'accord ? En fait, c'est comme ça. Voilà. Donc nous viendrons coller la plus grande partie sur le pli qui est là, d'accord ? Par l'extérieur. Ok ? Il viendra, pouf, se mettre comme ceci pour pouvoir se rabattre comme ça. Voilà. Ensuite, nous allons prendre le toujours un papier uni. Celui-ci était de 6 par 17,8 cm. 6 par 17,8 cm. Et il me semble avoir indiqué sur la liste les plis, mais je vais quand même vous les rappeler. Il s'agissait donc de faire 3 plis, 2 plis sur chacun des bords courts de 1 cm. D'accord ? Un pli à gauche, un pli à droite. Et ensuite, également, un pli de 1 cm. Mais cette fois-ci, votre papier posé à la verticale sur le coupe-papier et uniquement, donc, sur un seul bord long. Gauche ou droite, pas d'importance. Un pli de 1 cm sur un seul bord long et un pli, enfin deux plis de 1 cm sur les deux bords courts. Ce papier-là ira en fait sur le rabat inférieur, ici, et on va venir le couper en diagonale, d'accord ? Et en fait, c'est là qu'on va faire une petite pochette, d'accord ? Avec le papier qu'on va insérer dedans. Voilà, vous pourrez y mettre des photos ici, d'accord ? Ensuite, il nous manque la partie donc du tag, la partie droite qui va venir se coller là. Ok. Donc là, il s'agissait du papier uni de 11 par 13 cm. D'accord. Avec un pli à 6,5 cm, tout simplement à la moitié. D'accord. Et donc, comme je vous le disais, il va venir se coller sur la partie droite de la structure de l'album. Ok. Alors,
Je n'ai plus de synchro avec vos commentaires, a priori, ou alors vous êtes très concentré. En attendant, si il y a des soucis, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, nous avons l'essentiel de la structure. Donc on va commencer à faire les plis et les découpes pour monter tout ceci. Le dernier petit papier uni que vous aviez, enfin un des derniers que vous aviez, c'était celui-là, voilà, de 9,5 par 2,5, avec un pli à 1 cm, un seul pli sur 1 cm sur un des bords courts, d'accord? Ceci servira tout simplement à venir mettre, voilà, à venir tenir si vous mettez des petites photos pour que ça ne se sauve pas avec des aimants. Voilà, l'essentiel est fait, nous avançons. Nous prenons donc le papier de 11,11 par 21 cm et on vient simplement marquer nos plis. Voilà, tout simplement. J'espère que vous suivez et que tout va bien. J'ai l'impression que c'est quand même un peu flou. Est-ce que vous arrivez à voir et à suivre quand même? C'est pour ça que j'essaye de détailler un petit peu plus les mesures. Donc, on a dans les mains le morceau de papier de 11 par 21 cm et on vient marquer les plis que nous avons fait de chaque côté. Voilà, vous voyez, ça va donner ça. Ensuite, nous allons prendre le morceau de 10,5 par 15,8. On vient marquer le pli également. Voilà, n'hésitez pas à utiliser votre plioir. Ça facilite un peu plus la mobilité de la structure. Voilà. Hop. Donc celui-ci viendra donc se positionner sur le bas de la structure, comme ceci. D'accord? Ok. Nous allons préparer la pochette de droite. Il y a une petite découpe à faire. Après, on sera débarrassé. Donc c'est le fameux papier de 11 par 13 cm. D'accord? Nous avons fait le pli à 6,5. Voilà. Il suffit simplement de venir faire une petite marque sur la droite. Nous allons venir couper une diagonale ici. Eh bien, tout simplement, nous allons venir marquer à 5 cm sur la partie droite. Un petit trait léger, comme d'habitude, pour pouvoir l'effacer correctement. D'accord? Et on vient marquer notre diagonale de la base haute du pli vers notre marque que nous avons faite à 5 cm sur la droite en partant du haut. Donc, ça donne ceci. Donc, un trait très léger. Hein. Voilà. Hop, tout simplement. Et donc, maintenant, on va simplement couper cette diagonale. Ça, on est sûr, en fait, que la pointe tombera nickel et que le papier ne sera pas abîmé au bout. On peut aussi le faire avec le coupe-papier, mais c'est vrai que pour les pointes comme ça, quand je peux, j'essaye de les faire au ciseau. Voilà, comme ça, on sait que là, ça tombe beaucoup mieux. Voilà, ça c'est fait. On efface notre petite marque au cas où elle apparaîtrait encore. Voilà. Ça, c'est fait. On viendra après donc l'installer sur notre structure. Donc, on fait un petit retour en arrière. Nous avons le papier 11 par 21 avec nos deux plis de chaque côté à 1,8 et 2,5 cm. D'accord? C'est sur cette base-là que nous allons venir coller les autres morceaux. D'accord? Nous allons faire la petite pochette du rabat inférieur de l'album. Je vous remontre. Donc, nous allons venir faire cette petite partie-là avec la diagonale. D'accord? C'est donc avec ce papier-là de 6 cm par 17,8 sur lequel nous avons fait un pli à gauche, un pli à droite de 1 cm et un pli ici en l'occurrence en bas sur le bord long à 1 cm également. D'accord? Avant de marquer les plis,
Encore une fois, nous allons marquer notre diagonale pour faciliter la découpe. Je vous propose donc de mettre le papier dans le même sens que moi pour ne pas être perdu. Vous avez votre pli en haut, votre pli en bas, et vous mettez sur votre gauche le pli du bord long à gauche. D'accord ? Et ensuite, vous venez simplement faire une marque en haut, tout simplement. Ça fait 3, à peu près 3,3. Donc 3,3 en partant de la gauche. Est-ce que c'est bon pour vous ? C'est simplement faire une petite marque, d'accord, pour pouvoir venir découper notre diagonale tranquillement. Et là, nous venons du point que nous avons marqué à la pointe, attention, du pli. À la pointe du pli et pas à la pointe du papier. Nous traçons la diagonale depuis le point haut que nous avons marqué jusqu'à la pointe du pli. Tout simplement, un trait léger, hop, comme ceci. Et tout simplement, on découpe maintenant. Nous venons marquer nos plis. Voilà. Hop, tout simplement. Catherine, c'est bon, super. Une fois que nos plis sont faits, on va venir faire une petite découpe pour faciliter le collage par la suite. D'accord ? Donc là, on va venir couper les angles. Hop, comme ceci. Tout simplement pour qu'il n'y ait pas de chevauchement au moment du pliage et que ce soit plus facile pour rentrer le papier à l'intérieur. D'accord ? On fait la même chose de l'autre côté. On coupe en biais. Voilà. Vous voyez, c'est pareil. Hop, comme ça, ça va tomber nickel au moment du collage. Si jamais votre papier déborde un petit peu sur le haut, hop, pas de souci. On vient couper ce qui dépasse. Ici, ça va, c'est nickel. Voilà, nous avons la première partie de la pochette du rabat inférieur qui est prête. Nous prenons le fameux petit papier dont parlait Jess tout à l'heure. Donc le 9,5 par 2,5 avec le pli à 1 cm du bord. Ok ? Je vous avais demandé également de préparer un papier design, d'accord, de 2 par 8 cm. Un morceau de papier design de 2 par 8 cm. Vous allez voir, ça va simplement venir se coller ici, comme ceci. Donc on peut déjà le préparer. Pour que ça fasse un petit effet sympa, vous pouvez prendre une perforatrice, par exemple. Alors, c'est ce que je fais, moi, avec la mienne, avec celle-ci. Donc, je prends d'abord mon papier uni et je viens le placer, hop, avec les deux pointes. J'essaye de centrer les deux pointes sur les bords. Voilà. Hop, et voilà. C'est tout bête. Si jamais vous n'avez pas de perforatrice pour faire ce genre de découpe, vous pouvez simplement venir marquer, par exemple, le centre de votre papier, compter 1 ou 2 cm sur le haut, et dessiner votre diagonale pour découper. Voilà. Et on fait pareil avec le papier design. Hop ! Voilà. C'est tout bête, ça gagne du temps. Zo, et vous voyez, après ça vient se positionner comme ceci. Et ça tombe à peu près pile poil. Donc ça, c'est pas mal. On va venir le coller tout de suite, comme ça on sait que ça sera fait. On aura sous la main pour tout à l'heure. Un petit peu de colle et c'est parti. Voilà. Et bien maintenant, on va venir me faire la structure, l'assemblage. Hop, comme ceci. Voilà, on se le met de côté. On prend la structure de base, le papier où il y a les deux plis des deux côtés. On vient prendre le papier qui faisait 10,5 par 15,8 pour lequel il y avait un pli à 1 cm sur un bord long. Pour faciliter également le collage et la mobilité de la structure, on vient couper un petit peu en biais les deux bords du pli. Voilà, ça tient mieux. En général, c'est plus pratique.
Hop, c'est une petite astuce. On vient prendre donc notre morceau de papier, comme ceci, et on va venir le coller en bord à bord sur le bas de la structure, en s'assurant que c'est bien centré par rapport au pli. D'accord ? Hop, pour le coller comme ceci. Donc la colle à l'extérieur, sur le pli. Voilà, l'avantage de la colle, c'est que là, pour le coup, pour bien centrer, c'est un peu plus pratique que le double face, du fait de la possibilité de le bouger un petit peu pour être sûr que ça tombe bien. Voilà, hop, hop, voilà, ça va le faire. Prendre maintenant le deuxième papier de 11 par 21. Sur lequel nous avions fait un pli à 12 cm. Souvenez-vous, je vous ai montré tout à l'heure, ce morceau-là va servir à la structure, à la partie gauche, ici. D'accord ? C'est bon ? Donc le morceau, un 11 par 21, le pli à 12 cm. D'accord ? Et on vient coller par la plus grande partie. Vous avez votre papier comme ça, vous voyez ? On prend la plus grande partie, la partie la plus large, d'accord ? Et on vient la coller ici, à gauche, en bord à bord, sur la partie gauche de la structure, comme ceci. Vous voyez, ça va venir comme ça, pour se rabattre vers l'intérieur de l'album. Est-ce que c'est clair pour vous ? 11 par 21, on prend la plus grande partie qui vient se coller sur juste le bord là. Pas, attention, hein, pas sur ce pli-là, hein, juste sur le bord ici. Par la plus grande partie à l'intérieur, comme ceci, là, pour qu'ils viennent se refermer comme ça. Ok, alors on y va. On vient coller. S'assure que ce soit bien droit. Hop. Voilà. Nickel. Vous voyez. Hop. Donc on a la partie du bas qui revient vers le centre, la partie de gauche qui revient vers le centre. Voilà, on a pratiquement terminé la structure. Maintenant, venons nous occuper de la partie tag qui vient sur la partie droite. En fait, ce sera le même principe. Nous venons donc coller la partie qui n'a pas de diagonale, donc cette partie-là. On va venir la coller sur la partie droite, là, ici, comme ceci. Exactement le même principe que tout à l'heure, pour que ça vienne se refermer, tout simplement. Hop. Toujours l'avantage de la colle. On peut positionner un petit peu mieux. On évite les cochonneries. Hop, voilà, bien bord à bord. Comme ceci et comme ceci. On appuie là. Voilà, c'est bien droit ici. Voilà. Si vous avez fait tout ça, vous avez la structure de votre album. Voilà, l'essentiel est fait. Maintenant, il faut venir poser les papiers, mettre les petits aimants. Vous allez voir, c'est pas compliqué non plus. Pour vous, pour ceci, il nous faut le papier design de 10,7 par 15,7. Le morceau de papier design de 10,7 par 15,7 qui va venir se positionner au centre, sur la base de notre structure, en fait, ici. Je ne sais pas si vous avez fait attention sur le premier. Ici, j'ai des coins. D'accord ? J'ai 4 coins. Nous allons faire les coins tout de suite. Avant de coller ce papier, nous allons d'abord faire les coins, puisque les coins que nous allons fabriquer vont venir se coller à l'arrière du papier design. D'accord ? En fait, ça va permettre, dans votre album, de pouvoir insérer
une photo et elle pourra être changée. Mon format de photo est un peu petit là, mais vous voyez, une photo 10 par 15 tiendra. D'accord ? Alors, pour faire ça, oh, bah la photo, elle est partie. Pour faire ça, je vous avais demandé de préparer des petits morceaux de papier. Hop ! Des petits morceaux de papier design de 2 par 4,2 cm. 2 par 4,2 cm. Et là, vous en avez en tout 4 petits morceaux. D'accord ? Donc, ce sont des rectangles. Ok ? Et tout simplement, il va falloir venir marquer. Donc, on va en prendre un déjà. Vous allez voir, pareil, c'est très simple. Hein. Il va falloir le transformer en triangle tout bonnement. D'accord. Simplement venir marquer le centre de ce rectangle. Hop là. Environ à 2,1. Vous voyez. Donc, le petit morceau de papier, on le prend à l'horizontale et on vient marquer un petit pli en point, pardon, pas un pli, à 2,1. Et ensuite, il suffit simplement de venir marquer les plis de chaque côté en diagonale. Et je cherche là. Essayez de prendre ce que vous avez de plus fin, d'accord? Donc, vous venez prendre le point que vous venez de marquer et vous rejoignez simplement la diagonale du bas à droite. N'hésitez pas à insister, bien que là c'est du papier design, normalement c'est un peu plus facile à plier. On retourne le papier et on vient marquer, ou on ne retourne pas, d'ailleurs c'est selon votre main, l'autre partie à gauche. On prend le point du haut qu'on vient de marquer à 2,1 et on rejoint la diagonale gauche du bas. Comme ceci. Et là, vous voyez, une fois que c'est plié, hop, voilà. On pourra venir couper le bas si vous avez un petit pot qui dépasse. Voilà, votre triangle est fait. Donc, il va venir se positionner de chaque côté aux quatre coins. D'accord ? En étant collé, évidemment, par l'arrière, hein, pas par la partie du triangle, du grand triangle, mais par l'arrière, ici. Hop. Et nous allons faire pareil pour les quatre coins. On vient coller nos quatre coins aux quatre coins du papier design mesurant 10,7 par 15,7 cm. Donc là, je vous rappelle, mon coin va venir comme ceci. Donc je colle uniquement à l'arrière sur les deux triangles là qui se plient. Hop, voilà. Je viens de positionner. Je vous ai pas encore parlé de mes papiers là que j'utilise, mais je vous en parlerai tout à l'heure. C'est une collection qui est super sympa. Hop, voilà. On fait pareil pour les quatre. C'est parti. Alors, vous serez peut-être comme moi, vous aurez de la colle plein les doigts. Hop là, on s'assure que hop, ça soit bien droit, que ça prenne bien l'angle. Et vous voyez, on a de la marge ensuite pour pouvoir passer nos photos à l'intérieur. Là, voilà, nous avons nos quatre coins. Donc nous venons maintenant les coller. Coller tout le papier design tout simplement là. C'est fait. Et comme tout à l'heure, non, j'ai plus ma photo. Mais bon, vous voyez, votre photo pourra passer là, vous pourrez la changer sans problème. Ça. On prend ce morceau de papier là qu'on a coupé en diagonale tout à l'heure. D'accord ? Alors, on prend le morceau de papier de 6 par 17,8 cm pour lequel on a coupé la diagonale tout à l'heure. On va venir bien sûr le décorer. Attention, avant de venir couper, coller notre papier déco, on va d'abord y mettre des aimants. D'accord ? Parce qu'on va mettre la petite languette là. Donc qui va venir se fixer avec un aimant. On prend nos aimants. Hop, moi je vais venir les coller. Ça marche super bien avec les glue dots. Vous voyez, c'est des tout petits points de colle en fait. Donc je colle le premier. Voilà. Donc c'est approximatif, hein. Vous voyez où vous voulez le poser.
On prend le morceau de papier design de 4,6 par 15,5 cm. D'accord? 4,6 par 15,5 cm. On va venir en fait le présenter ici. D'accord? Vous pouvez ouvrir vos clients. Du coup, vous peinerez peut-être un peu moins. Vous le positionnez de manière à ce que ce soit égal de chaque côté. D'accord? Avec un petit peu de rab. Et vous allez venir marquer. Donc là, vous positionnez votre pointe en haut ici. Et vous venez faire une petite marque ici pour pouvoir découper votre diagonale. OK? Donc sur la partie gauche. On vient tracer la diagonale pour mieux couper. Hop. Très léger. Zo. Et on vient couper. Hop. Voilà. Tout simplement, vous voyez, ça va venir se coller ici. Pour cette pochette, vous avez vu dans l'album le rabat inférieur. Là, nous avons le papier design ici. Avant de le coller sur la structure, on va venir coller la partie rabat de la diagonale par l'extérieur. Je vous montre. Parce que ça paraît pas très clair comme ça, mais en fait, c'est pas compliqué. Vous aviez besoin également de deux papiers design de 9,2 par 15,5 cm. D'accord ? Deux papiers, 9,2 par 15,5 cm. Simplement, ils vont venir décorer, vous imaginez bien, le rabat inférieur de l'album. D'accord ? Donc, comme je vous disais, on ne va pas le coller directement sur le rabat tout de suite. On va d'abord venir l'inclure à ce morceau de papier-là avec les rabats. Comment ? Eh bien, comme ceci. Nous allons venir le mettre là, en le centrant à peu près. D'accord ? Il va venir comme ça. D'accord ? Donc, on prend notre tube de colle et on vient coller les rabats à l'arrière pour venir mettre le papier design. Alors, on centre. Alors. Attention, encore une fois, n'allez pas coller tout de suite le papier design puisqu'il nous reste notre petite bande à inclure qui va venir donc se coller à l'arrière du papier design. Hop, ici. Ok. Je vous conseille en fait de positionner d'abord votre aimant donc sur la bande de papier avant de venir coller sur le papier design pour faire en sorte que ce soit plus droit. Alors. Mon aimant, il est parti se cacher avec mes trombones. Voilà, donc je vais venir positionner mon aimant, prendre mon dots. Hop, voilà. Je viens prendre ma bande de papier que je positionne plus ou moins. Donc là, je me fixe là. Voilà. Zo. Faire en sorte que ce soit droit, on essaye de centrer. Voilà, j'appuie pour que mon dot colle bien. Voilà, ok. Donc ça c'est bon. Donc là je repositionne mon aimant et je vais venir coller la languette à l'arrière du papier design. Comme ceci. Donc je repascule devant pour m'assurer que ce soit bien droit. Et je mets mon rabat. Voilà. Ok. Vous voyez ? Nickel. Ça va venir se positionner là. Et ça va s'ouvrir. Zo. Maintenant, on va venir décorer notre partie donc pochette. On va simplement venir coller le papier ici. Comme ceci. Et ensuite, on pourra venir coller le rabat. La décoration sur le rabat. Bon courage Gaëlle, merci d'avoir été là.
appuie bien. Zou. Et voilà, maintenant on vient tout coller sur le rabat inférieur de la structure de notre album. Ça va toujours? Vous arrivez toujours à suivre? On s'assure que donc la partie pochette que nous avons créée tombe bien bord à bord avec les côtés et la partie basse. Voilà. Vous allez voir, la suite ira un petit peu plus vite. Donc, on va venir coller notre deuxième papier design, donc que nous avions tout à l'heure. Hop, le 9,2 par 15,5, on vient simplement poser ici. Là, rien de compliqué du tout. Voilà. Il est sympa ce papier. Sous. Voilà. Voilà. Allez, on continue. Maintenant, nous allons nous occuper. On va venir faire notre tag. Vous allez venir coller votre papier design ici. D'accord? On vient prendre le morceau de papier de 6,1 par 10,7. On vient coller à l'intérieur du tag de la pochette. Donc, deux doubles faces pour cette fois fermer la pochette, puisque pour l'intérieur c'est bon. Hop. Là. Voilà. On continue avec nos deux autres papiers 6,1 par 10,7. Celui-ci, on va venir le positionner pour, vous vous en doutez bien, coller la diagonale. Alors, vous positionnez votre papier, d'accord, et vous venez vous faire une petite marque à droite et une petite marque en haut à gauche pour pouvoir faire une diagonale sur votre papier design. D'accord? Donc là, je fais ma petite marque en haut à gauche, ma petite marque ici. Alors, pour vous donner une idée de mesure, par exemple, sur la partie droite, ma mesure, je l'ai faite à 5 cm. D'accord? Donc, vous venez sur la partie droite. D'accord, mesurez 5 cm pour faire votre marque ici. Et ici, vous comptez 1 ou 2 mm, d'accord, pour pouvoir respecter le matage et que ça fasse une jolie diagonale par rapport à votre papier uni. Pour celles que ça rassure, vous venez marquer légèrement au trait de crayon votre diagonale pour couper au ciseau. Là, comme d'habitude, on pense à effacer notre trait. Là. Voilà, et ça va venir se mettre ici. Ah, une post-it qui vient avec la colle. Veux-tu rester là-bas? Voilà. Comme ceci. Il y a presque une continuité, c'est sympa. Ok, avant de terminer cette partie-là, on va s'attaquer à celle-ci, puisqu'elles ont un lien toutes les deux, c'est-à-dire que ici, nous viendrons mettre des aimants, ici, ici également, pour pouvoir tenir fermé l'album, en fait, voyez. Hop, d'accord. Donc, nous allons venir faire la déco ici.
Hop, je vais reprendre celui-là. Oh, c'est tombé. Alors, dans un premier temps, si vous le souhaitez, vous pouvez venir mettre ici un petit morceau de ruban, d'accord, pour faciliter en fait l'ouverture de cette partie-là. D'autre part, nous allons également y mettre un aimant, ici et ici, pour que ça tienne bien fermé. D'accord, si vous voulez inclure des photos pour être sûr que ça tienne bien. Donc, je reprends mes aimants, hop, que l'on va mettre à peu près au centre ici, d'accord, et ensuite l'autre viendra se mettre sur l'autre partie. Donc je prends mon aimant, je mets mon glue dots, je le cale à peu près, hop, au centre ici, d'accord. Je prends mon deuxième aimant. Ils ont décidé de ne pas vouloir se détacher. Là. Ok. Je viens le positionner. Je prends mon deuxième dot. Hop. Zo. Et je ferme. Comme ceci. Hop là. Voilà. Ok. Donc, pour celles qui le souhaitent, comme je vous disais, sur mon premier album, ici, vous voyez, j'ai mis un petit morceau de ruban pour faciliter l'ouverture. Donc, on va le positionner avant de mettre le papier design. D'accord? Donc, ici, je prends mon petit morceau de ruban. Hop. Vous choisissez hein, la longueur que vous voulez y mettre, hein, parce que vous aurez juste, en fait, la partie du pli qui va sortir. D'accord? Vous le mettez où vous voulez, soit sur le haut, soit sur le bas, il n'y a pas d'importance. Et alors moi, je le fais tenir donc avec du double face. Hop, un petit morceau de double face pour qu'il tienne bien. Voilà. C'est vous qui décidez hein, comment vous voulez le faire dépasser. Voilà. Là. Alors, nous avons notre aimant à gauche, notre aimant à droite, le petit morceau de ruban. Ça va se fermer comme ceci, d'accord? Donc, on va venir décorer l'intérieur de ces deux parties-là. Et pour ça, je vous avais proposé de choisir des papiers design. Donc, deux morceaux de 8,7 par 10,7, d'accord? Et deux autres morceaux de 11,7 par 10,7. D'accord. Donc 2 de 8,7 par 10,7 et 2 de 11,7 par 10,7. Ils vont simplement venir se positionner l'un et l'autre. Donc un ici, d'accord, donc le 8,7 par 10,7 et le second, alors j'avais dit que j'inverserais, hop, voilà, et le second de 11,7 par 10,7. D'accord. Il suffit de venir coller ici. Donc on y va, on vient coller ces deux parties-là. Hop, on vient coller la deuxième partie. Ici, notre aimant est caché. Voilà. Là, on est bon. Ok. On vient fermer. Vous voyez, du coup, ça tient nickel. Donc, il nous reste cette partie-là et cette partie-là à décorer. Donc, ici, vous imaginez bien qu'il s'agit du deuxième papier design de 8,7 par 10,7. Non. Oui, si. 8,7 par 10,7. D'accord. Donc, il va venir ici. Et le deuxième morceau qui nous reste viendra ici, et donc lui, c'est bien la couverture que nous verrons de notre album, d'accord? On va d'abord se concentrer sur cette partie-là, qui, elle, n'a plus besoin de grand-chose, hormis, bien sûr, coller le papier, parce que là, on ne remet pas d'aimant en dessous, il n'y a pas besoin, donc là, c'est simplement le collage de la déco. Voilà, on vient le positionner,
Voilà, on essaye de faire attention que ça soit bien aligné ici et ici avec l'autre papier. Hop, voilà. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Hop, là il tient avec les mains. Et on vient s'attaquer donc à cette partie-là. Ici, je vous disais qu'il nous manquait encore des aimants. En fait, on va mettre un aimant ici, un aimant ici. D'accord, ça tiendra mieux, surtout quand vous allez rajouter des photos. Il y aura plus d'épaisseur, plus de poids, donc au moins ça tiendra. Donc, aimant ici, et donc bien sûr qu'il faut qu'il y ait un deuxième aimant. Donc on va les mettre ici, hop, pour que ça tienne ici. Donc comme tout à l'heure, même principe, je viens prendre un premier aimant, je colle le glue dots, je le positionne, hop, un second aimant. Même principe. Voilà, alors je vais essayer de les centrer quand même, de les aligner au moins. Voilà. Tout simplement, je viens mettre les deuxièmes. Ici. Voilà. On vient inclure, poser les dots dessus. Hop, le deuxième, voilà, et je viens fermer mon rabat ici. Alors, on va s'assurer que ce soit bien droit par contre, donc je vous propose de le mettre debout à la verticale, voilà, pour que en fait ça soit bien droit partout et qu'on ne voit pas les aimants. Voilà, et comme ça, vous voyez, ça tient nickel. Donc, on peut rouvrir. Voilà, comme ceci. Deuxième temps, et bien ici, nous allons venir coller le dernier papier design qui nous reste de 11,7 par 10,7. Voilà, ici. Rien de plus pour ce côté-là. Et il nous restera ensuite la partie tag. Voilà. Hop. Positionner le plus droit possible. Voilà, vous verrez, tout va s'aligner correctement. Hop. Comme ceci. Là, on va remettre un peu de colle. Voilà. Pour la partie droite, pour mon premier album, j'avais également rajouté un petit ruban ici, vous voyez, pareil, pour l'ouverture. Hop. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez également faire le même principe que tout à l'heure, prendre un autre morceau de ruban que vous venez coller où vous le souhaitez. Donc là, moi, je vais le remettre au centre, coller avec le morceau de double face. Voilà. Qui dépasse plus ou moins selon vos envies. Hop. Voilà. J'enlève la partie. Et il vous reste un morceau de papier design de la même dimension que ça tout à l'heure, qui était de 6,1 par 10,7. Et bien, tout simplement, on vient le coller ici. Comme ceci. Voilà, on insiste bien au niveau des aimants. On s'assure que ça soit bien droit. Là, on est content d'avoir pris de la colle. Voilà, hop, vous voyez, comme ça, c'est bien tenu. Dans la pochette intérieure, j'avais préparé donc un tag. D'accord, voilà. Donc là, selon le matériel que vous avez, encore une fois, hein, pour venir y mettre ce petit tag ici. Hop, donc, je vais venir le coller. En fait, ce morceau de papier-là, j'ai juste arrondi
les bords du haut pour que ça soit plus joli avec la découpe de mon tag en fait. Le tag en fait, là je l'ai fait avec cette perfo qui permet de faire plusieurs dimensions de d'étiquette. Et il y a aussi la deuxième qui est sortie au catalogue au mois de juin, qui est celle-ci et qui vous permet de faire 6 formats d'étiquettes différentes, d'accord, selon les modèles là, donc 3 et 3, des dimensions 1,3, 1,9 et 2,5 cm par exemple. Hop là, je remets ça là. Mon petit tag, donc après bah, vous pouvez le décorer, mettre un petit message si vous le souhaitez, et vous l'incluez ici. Je vais venir terminer ma déco. J'avais préparé donc mon tampon avec mon petit message, avec un lot qui m'a fait craquer, que j'avais acheté récemment. Tendre souhait, avec des messages qui sont super sympas, mais vous avez également tous les dies qui vont avec. Et ça, c'est vraiment super beau. J'adore quand ça tombe pile poil. C'est vraiment ce que je préfère. Donc là, j'ai pris ça et puis j'ai rajouté également le coucou bébé, parce qu'il y avait simplement coucou bébé dans ce lot-ci. Et le coucou bébé vient d'un autre set de tampons. Alors, je vais venir le positionner ici. Je veux simplement faire un petit peu le même principe que j'avais fait pour mon premier album, parce que je trouvais ça sympa. J'avais déjà mis mes dimensionnels sur mon étiquette. Hop. Je viens positionner ça ici. Regardez comme c'est beau, ces petites baleines et cette petite tortue. La baleine est tamponnée, la tortue est découpée. Tout bêtement. Parce que, comme le disait ma chère collègue tout à l'heure, il s'agit de la collection Trésor d'Océan. Avec des papiers originaux, je trouve. Regardez. Alors, j'espère qu'avec la pixelisation, vous arriverez à voir. Des tortues, des baleines, des couleurs adorables. Vous avez vu? Et donc, tout simplement, la tortue, je l'ai découpée dans le papier design pour pouvoir la positionner en 3D. Et cette baleine, elle est tamponnée avec le set de tampons, une tonne de souhait. D'accord, avec la perfo qui va avec, donc ça tombe pile poil. Et du coup, vous avez aussi, comme vous avez les tamponnages là, des algues, vous les retrouvez ici, vous pouvez donc les découper également pour pouvoir créer quelque chose en 3D par exemple, ça peut être super sympa. Comme tout d'ailleurs. Allez, je viens coller ma baleine. Voilà, la petite tortue, et bien, qui se promène un petit peu dans l'océan. Voilà, et notre album est terminé. Donc c'est une ambiance totalement différente du premier album avec Pivoine Pensive, hein, n'est-ce pas? Voilà, c'est vraiment deux univers complètement différents. Mais c'est ça qui est génial en fait, c'est qu'avec une même base, on peut faire des univers complètement différents. Vous trouvez pas? Voilà, je vous montre pour celles qui ne connaissent pas les papiers de la collection Pivoine Pensive. Alors, j'espère que ça ne sera pas trop pixelisé encore une fois. Merci Marie-Claude, c'est très gentil. Un peu laborieux, mais... Alors, est-ce que vous voyez correctement? Je ne sais pas. Regardez-moi ces papiers extraordinaires. Ils sont magnifiques. Le design, tellement doux, serein, vraiment superbe. Merci Laurence. Et vous avez évidemment le set de tampons Pivoine Pensive, extraordinaire, et les dice qui vont, les poinçons qui vont avec.
Merci beaucoup à vous qui avez été présente et qui avez... J'adore très fort raffiner cette gamme. Oui, Fabienne, je suis bien d'accord. Merci beaucoup d'être restée, d'avoir tenu le coup. Je suis vraiment désolée pour tous ces problèmes techniques. J'espérais vraiment que ça irait cette fois et non. Je vais encore me pencher sur la question pour essayer de comprendre. En attendant, merci. Merci d'avoir été là et de m'avoir suivi. J'espère que le replay sera correct pour celles qui n'ont pas pu assister au live. Voilà, merci de m'avoir suivi. Pour celles qui n'étaient pas là, je vous rappelle, les promos se terminent au 30 juin. Les primes créatives, la promo pour les éventuelles nouvelles démonstratrices. Si certaines parmi vous veulent devenir ma filleule, j'en serais ravie. Contactez-moi, je vous donnerai toutes les infos du début à la fin pour que vous soyez rassurés et que vous avanciez dans les meilleures conditions. Voilà. Encore une fois, merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent après-midi et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain live. C'est déjà prêt, la publication sera faite demain. Voilà. Oui, nouvelle coupe, Muriel. Là, nous avons une belle image avec une belle personne. Merci beaucoup, Fabienne. N'hésitez pas à me montrer vos créations après. Soit sur vos murs ou le mien, hashtag HarmonyScrap, comme ça je suis sûre de pouvoir les voir. Facebook m'envoie une petite notification pour que je puisse les voir. J'aimerais bien voir le résultat de ce que vous avez fait, ça me ferait plaisir. Ok, je vous embrasse toutes très fort, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Bye bye!